Salut à tous, Cool Kicks, on est de retour. C'est parti. On en avait parlé il y a quelques mois, le retour fracassant de Puma sur la scène basket. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la Nitro Fusion Spectra. Alors un modèle qu'on peut voir déjà pas mal sur les parquets NBA. Ouais, il y a plusieurs joueurs sous contrat Puma, un beau roster dans toute la ligue américaine, notamment Marcus Smart, RJ Barrett qui est derrière nous, et le petit français qu'on kiffe, Killian Hayes, qui vient de Cholet. Et terrible quoi. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est des jeunes et Puma s'associe à pas mal de la jeune nouvelle génération. Tout à fait. Et je me dis que c'est une belle politique et ça fait plaisir. Ça change un petit peu. Ça change. Des nouvelles têtes. Ils misent sur la Melo Ball, sur Kyle Kuzma, des joueurs jeunes et puis qui sont performants. Donc ça fait plaisir. Alors, pourquoi c'est un carton, cette paire ? Modèle qui va à tout le monde, génial, super amorti avec le Fusion Foam, une mousse sur, absorbante de choc sur toute la longueur de la semelle, hyper réactive, qui va à tous les postes de jeu, parce qu'elle est ni trop haute ni trop basse, même si elle est plus orientée basse. Et puis le Fusion Fit, le système de maintien au niveau du coup de pied, qui est un élastique, mais qui est hyper maintenant. En fait, un gros support, il y a un super maintien, sans qu'il y ait beaucoup de lassage. Et en fait, le pied ne bouge pas à l'intérieur, donc amorti plus maintien plus look, il n'y a rien à dire, c'est vraiment la tuerie de la rentrée chez Puma. Quoi. Après avoir parlé de Puma, on va parler de Nike, un incontournable dans le monde du basket. Donc là, on a la Air Zoom GT Run. Ok. Alors j'ai déjà cru voir passer quelques infos par rapport à d'autres GT. Celle-ci, elle fait partie d'une ligne, c'est comment ? Ouais, tout à fait. Alors la famille GT, entre guillemets, a commencé pendant les JO de Tokyo. En fait, Nike a voulu lancer une ligne pour les meneurs, les ailiers et les big men. Donc là, la première du nom, c'était la GT Cut, qui est malheureusement pas sortie en France, qui était basée un peu pour les orientés joueurs, meneurs, deuxième arrière, très légère, remplaçante de la Kobe, mais pas sortie en Europe. Heureusement, on a la deuxième, qui est orientée pour les ailiers, polyvalent, réactif, actif, drive, etc. La GT Run. Niveau technique, ça se passe comment pour ce modèle ? Alors ce qui est assez dingue, je pense que rien qu'avec la prise en main, tu t'en rends compte. Ouais, on sent les matériaux, c'est une paire qui est très légère. Pourtant, elle a un look assez bulky, assez gros. Ouais, exactement. Et c'est léger comme d'hab. C'est hyper léger. C'est vrai que l'empeigne est avec une matière hyper tissée, mais avec des maintiens un peu partout, donc le maintien est excellent. Puis le truc vraiment génial, c'est l'amorti. L'amorti, il y a un double amorti, donc il y a un double zoomer à l'avant et une mousse réact sur toute la longueur de la semelle, et il y a même de la mousse React dans la semelle de propreté, la semelle qui d'habitude ne sert pas à grand chose, et là il y a de l'amorti dedans, donc le modèle est vraiment ouf, vraiment orienté joueur polyvalent comme on disait, et puis beaucoup de couleurs. Ouais, ça c'est un des points forts je trouve. De ouf, ça c'était celle sortie pour les JO, pour les USA, la nouvelle multi, la green, et puis la Dr. Fatigue, c'est là qu'on vient juste de recevoir, un peu marron qui fait très sportswear, donc les coloris sont dingues, la technicité est dingue aussi, donc haut de gamme, mais un confort franchement fabuleux. C'est validé. Nouveauté de ce Cool Kick, c'est l'apparition des questions des abonnés, on va appeler ça comme ça, les followers sur Insta, etc., qui nous posent des questions. Et aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions, donc notamment Marcus qui nous demande comment ça va se passer par rapport au modèle de LaMelo Ball de chez Puma. Est-ce qu'on va l'avoir chez Macadam ou pas ? Alors, réponse un peu contrastée, la MB01 de Puma, nouvelle signature de LaMelo Ball, on ne l'aura pas pour cette saison là qui va sortir, mais, et c'est un mais pour une fois qui fait plaisir, pour la saison prochaine, on aura accès à la MB0.2 et on l'a déjà vu, on l'a déjà commandé, c'est une tuerie, donc soyez patients, en tout cas pour la deuxième version, elle va venir. Deuxième question qui nous est posée par Julie, elle aimerait savoir en fait quand est-ce que vont arriver les nouveaux maillots City Edition. On sait qu'il y a un engouement sur ces maillots parce qu'il y a du style, ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? C'est édition limitée, donc petite quantité. On a commencé à en recevoir, ils ne sont pas encore en vente. Alors je vous avouerai qu'ils ne sont pas encore en vente parce qu'on n'a pas tout reçu, pas toutes les tailles. C'est une tuerie, que ce soit pour les maillots, les shorts et tout ce qui va avec, les fan gear. Donc on attend de tout avoir, on va tout sortir avant Noël, faudra être chaud sur le moment, mais ça arrive et ça va être bien impressionnant. Yes. Troisième et dernière question posée par Nassim qui nous demande quelles sont les équipes NBA qui nous ont le plus impressionné depuis ce début de saison. Ouais. Moi je vais commencer par Phoenix, 17 victoires d'affilée, c'est bouillant, ils viennent de de battre les Warriors, équipe hyper complète, ils ont gardé les mêmes, rajouté des petits trucs, ils sont chaud bouillant, Booker, DeAndre Ayton, Bridges, c'est chaud. La deuxième moi qui m'a impressionné c'est Chicago,
Ils sont dans le fin fond du classement depuis des années. Là, ils ont Vucevic, ils ont Demar DeRozan, Lavine qui est bouillant. Et puis le Caruso, quand même, qui fait ouais, du bien. Et puis Lonzo Ball aussi. Puis Lonzo Ball, hein. On parle donc, de son frère, non, on peut parler de Lonzo Ball, ouais. Qui est un super défenseur, super shooter. Moi, je kiffe. Ouais, alors à mon tour, on va dire, moi, c'est clairement bah, comme d'hab, hein, je change pas les Warriors. Team Warriors, on est là, on est de retour. Le chef Curry, toujours aussi bouillant, a préparé ses plans en cuisine. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est que bah, Klay Thompson me revienne, quoi. J'ai hâte qu'il revienne. Un petit Wiseman par là-dessus, et puis à l'intérieur, Wiseman, ils sont chauds. Et puis, il bah, y a des Gary Payton, The Second. Il y a Jordan Poole, il y a vraiment des c'est intéressant, franchement c'est super intéressant, et je rejoins Phoenix aussi, c'est, bah ouais. C'est pas mal. Finale pas de conférence, ça peut être bouillant. Et en parlant du chef Curry, le modèle qu'il porte, la Curry Flow 9, c'est une tuerie aussi, on vous l'a pas présenté parce qu'elle part tellement vite qu'on a moins de stock. Pour vous rassurer, on a deux derniers coloris qui vont arriver dans la collection collaboration Sesame Street, donc soyez patients, tout ça arrive bientôt.